Coucou les scrappeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu plein de courriers. Je suis en retard, j'ai encore pas répondu à celle d'avant, donc ne perdez pas patience. Je vais répondre, je vais répondre. Je crois que je vais souhaiter une bonne et heureuse année. En fait, parce que d'ici que je réponde. Enfin bref, en tout cas, là j'ai reçu, j'ai participé à un échange sur le groupe Les Addicts au scrap, je vous en ai parlé l'autre fois parce que j'avais préparé les petites pochettes et puis pour celles qui me suivent, j'ai préparé des petits ABC avec les os. Voilà, et donc j'ai fait un échange avec Moisette. Voilà, comment, du coup, elle a reçu mon paquet et moi j'ai reçu le sien. Elle a fait du recyclage parce que, en fait, c'est la boîte que je lui avais envoyée. Et elle a bien raison, c'est important de penser au recyclage. Vous avez vu, j'ai sorti, alors je suis désolée, je vais éternuer parce que je viens de faire un grand rangement. Oui, mon bureau en avait besoin et encore il n'est pas clean et derrière ce n'est pas clean non plus. Mais du coup, j'ai le nez qui me picote de poussière et de tout ça. Et j'ai sorti les petites moumoutes qu'on trouve chez Action, voilà, que j'ai pris pour faire des petites photos parce que je vais faire une prochaine vidéo où j'ai besoin de faire une jolie photo. Et c'est très très agréable. Voilà, je ne sais pas si vous les aviez achetés. Ça coûtait pas cher et c'est quand même été super sympa. Donc c'était un échange avec Moisette, oui, c'est son prénom, sur automne. Halloween, voilà, donc on va regarder au fur et à mesure ce qu'elle m'a envoyé. Je cherchais si je trouvais sa petite carte et je ne sais pas c'était quoi sa petite carte ou peut-être que, c'est pas grave, on va la trouver après, on va ouvrir au fur et à mesure. Donc déjà, elle m'a mis des petits découpages de petites, voilà, des petits champignons, des petites maisons champignons. Voilà, ça super. Ça, c'est des petites sorcières. Donc, pour l'année prochaine, pour Halloween, regardez des petites sorcières sur leur citrouille. Ça, c'est des petits Père Noël ou des petits gnomes. Voilà, très chouette. Avec Madame, avec des petits champignons. Voilà, donc ça, super sympa pour faire des petites créations. On adore toujours. On adore les. Comment? Hop, on adore toujours les découpes et choses comme ça. Alors, dedans, il y a un junk à secret. Ah, donc il y a une création. J'adore, c'est très joli. Ce papier, j'adore, je connais pas. Voilà, donc c'est un filbook avec une jolie dentelle noire. Voilà, et on va regarder. Peut-être qu'il y a sa petite carte dedans. Alors, avec un hop, voilà. Une jolie petite dentelle noire. Et. Ah oui, non, non, il est. Non, non, j'ai cru qu'il était à l'intérieur. Non, non, mais non, c'est. Ah si, si, si. Alors, attendez. Ou alors, je l'ai ouvert à l'envers. Ou il s'ouvre des deux côtés. Il y a un petit tag. J'ai cru qu'il y avait le petit mot, mais non. Donc, elle m'a fait un joli tag. Regardez, avec une sorcière. Voilà. Là, il y a des petits paperclips. Hop, des petits trombones qu'elle a mis des petits ronds dessus. Voilà, ça s'ouvre et à chaque fois, donc c'est des enveloppes qu'elle a mis ensemble. Là, je suppose que c'est. Non, c'est, j'allais dire, c'est une carte, mais elle n'a rien écrit dessus. Mais regardez, une jolie carte où elle a rajouté un sticker. Voilà, c'est un joli coucher de soleil où elle a rajouté, voilà, un petit bonhomme en momie. Voilà, et un joli petit fantôme. Très jolie petite carte. Hop, après, elle m'a mis un petit. Comment? Marque-page. Oh, décidément, des fois, on. Voilà. Hop, je vous le montre. Voilà. Happy Halloween. C'est très joli. Ces enveloppes, je pense qu'elle les a fait elle-même parce que le papier est très dur. Voilà. Ça, c'est un deuxième petit marque-page comme ça, Halloween. Voilà, oui, je pense que. En tout cas, je vais pouvoir mettre plein de choses dedans. Là, on a encore un marque-page avec une deux petites fées, deux fées, deux très jolies fées.
avec des petites étoiles. Voilà, très joli. Hop, on tourne. Là, il y en a un autre avec une jolie feuille. Très joli, regardez. Voilà. Et à l'intérieur, un hibou et des petites feuilles avec des petits glands. Voilà, je ne sais pas si une feuille qui est collée avec un œillet, une petite chaînette. Hop, je remets dedans hein, pour ne pas abîmer. Donc ça, c'est pour faire un petit tag. Voilà, un modèle pour faire un petit tag. Voilà, avec un petit texte et une jolie image. Je ne vous le lirai pas parce que c'est en anglais. Donc, ça serait pas... Je suis nulle en anglais. Voilà, une jolie carte. Hein, avec une sorcière, un joli petit fond bleu. Voilà, qu'elle a fait elle-même. Et puis, plein de petites décos. Très jolie, cette découpe de sorcière. Voilà, les étoiles qui brillent. Voilà, ça c'est la même image. Voilà. Et il y en a en fait des deux côtés. Ça fait un, vous voyez, un accordéon. J'aime bien ce papier. Voilà. Et là, vous voyez, à l'intérieur, il y a du papier. Voilà, du papier pour pouvoir faire un mini en fait. J'adore pour pouvoir ranger des choses. Ça va être super sympa ce... Junk à secret, oui, parce qu'en fait, il y en a dans les deux sens. Hop. Allez, je vais le refermer comme ça. Voilà, je vais le poser là. Elle m'a mis aussi, bon, une carrément, une planche de tampon avec des petits gnomes. Voilà, plein de petits gnomes et puis plein de petites lettres. Voilà, c'est très très gentil, merci. Voilà, je pense que vous les voyez. Voilà, super. Enfin, je sors toutes mes choses de Noël et tout ça pour savoir ce qui me reste. Elle m'a mis une planche de stickers avec des petites citrouilles. Voilà. Trop jolie. Une autre avec des petits fantômes fluorescents. Gommettes phosphorescentes. Voilà, ça c'est chouette pour des petites créas. Donc tout ça pour l'année prochaine, je vais tout y mettre de côté. Elle m'a mis du petit papier que je connais bien, puisque pas celui-là, mais celui-là, c'est le même que j'avais de chez Coco Rosa Studio. Donc ça c'est chouette parce que comme ça, eh ben, on hésite toujours quand on a un petit bloc de papier qui nous plaît, on hésite toujours à l'utiliser. Après, elle m'a mis des petites images, voilà, avec, enfin, des petites découpes avec des petites citrouilles, voilà, hop, trop chouette, ça, je n'ai pas. Et puis après, elle m'a mis, voilà, que je planque, elle m'a mis des petites gommettes stickers, voilà, d'Halloween, hop. Voilà, je vous montre ce qu'il y a dedans. Hop. Hop. Voilà, alors, plein de gommettes stickers, ça tombe bien, je les ai pas celles-là. Donc c'est ça qui est bien, c'est comme ça, on a des choses, on découvre des choses nouvelles. Hein. Voilà, trop trop chouette. Et puis elle m'a mis des embellissements, hop, en feutrine, en mousse. Oh, regardez celle-là. Voilà, et elle m'a mis aussi
un petit squelette. Voilà. Pareil, elle m'a mis des petits chocolats qui, je pense, en forme d'yeux. En forme d'yeux. En forme d'œil. Bon, je pense que ça doit être quand même comestible. Là, il y a encore des petits embellissements. Et puis, elle m'a mis des petites. Voilà. Des petites suspensions. Je pense que c'est pour les sapins de Noël, mais ça peut être sur des créas. Voilà. Pour des petites créations de Noël. Eh bien, écoute, merci, Moisette. C'est très, très gentil à toi, voilà, de m'avoir envoyé tout ça pour notre échange. Vraiment, c'est trop sympa. Et c'est vraiment complètement des choses que je n'ai pas. Et ça, c'est toujours super bien. Allez, on continue. On continue. Oh, j'en ai tellement ouvert que. Des fois, ça me désespère. C'est terrible, hein? J'ai reçu un envoi d'Agnès qui nous vient du 13, qui m'a envoyé une petite, une pas petite du tout, hein? Une carte d'Halloween. Voilà, oh, elle est très jolie avec des découpes. Hop, très jolie. Alors, oui. Alors, Moisette, elle m'a pas mis de mots sur la carte, mais alors Agnès, elle m'a mis le grand mot. Ah, super, j'étais la première à qui elle avait fait les créations d'Halloween. Elle avoue qu'elle a beaucoup aimé. Ah, et comme quoi, il y en a beaucoup qui ont changé d'avis, en fait, hein. Je vais peut-être y prendre goût. Ouais. Ah, ben, c'est gentil. Vous n'aimez pas les feutres à alcool. Elle me dit, elle m'a fait des tamponnages avec de la Versafine du fait que je n'aime pas les feutres à alcool. C'est vrai, mais je vais peut-être changer d'avis. Je vous montrerai. Je vous ai pas montré, mais en tout cas, quand je suis allée au salon à Lyon, je me suis acheté de chez Florilège toute la collection et j'ai pris les feutres à alcool assortis parce que je me suis dit que je n'aimais pas parce que je n'avais que testé des feutres de chez Action pas cher. Et comment? Et c'est peut-être pour ça. Alors, c'est toi qui m'as demandé le tuto des fleurs pompons. Alors, tu as bien fait de me le redire. N'hésite pas de me le remettre sous un commentaire si jamais, parce que tu sais, on me demande beaucoup de choses et des fois, j'oublie. Mais ceci dit, les fleurs pompons, c'est quand même un truc qui est super facile pour mettre dans le sapin, pour faire des petits échanges et tout ça. Donc, dès que je vais y penser. Il faut que je me fasse la liste des choses quand vous me demandez, parce qu'après, j'oublie. Merci à toi. C'est super sympa. Donc, voilà, il y a un joli petit papier bout. Et elle m'a mis des petites découpes toile d'araignée comme ça, en noir et en blanc, que je n'ai pas. Un magnifique perroquet. Très, très joli. Et puis, des petits hiboux et des citrouilles. Voilà, super. Donc j'ai encore plein de choses, bien évidemment, que je. Et la très jolie carte. Je ne sais pas si je voulais montrer. Si je voulais. Est-ce que je voulais montrer? Elle est très jolie, sa carte. Voilà. Avec du vert, Agnès. C'est très gentil. Et qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Une pochette aussi. Alors, une pochette avec des découpes. Ouais, c'est des découpes en bois, hein. Et puis du papier que je n'ai pas. Alors, un petit sachet avec des découpes en bois. Voilà, du papier. Ah ben, et décidément. Alors, celui-là, je l'ai, mais j'en ai. Et il est trop beau. Avec les petits fantômes. Voilà, du petit papier pour l'année prochaine. Ça va être formidable. Et puis des petites découpes de citrouille. Voilà. Merci Agnès. C'est très, très gentil de ta part. N'hésite pas à me mettre. N'hésite pas à me mettre sous la vidéo. Je vais y arriver à. Hop. Si tu préfères que je te réponde en mode Halloween. Ou est-ce que voilà, ça ne te dérange pas qu'on passe en mode hiver. Voilà. Tu me tiens au courant, Agnès, sous cette vidéo, tu me le dis. Après, j'ai reçu une lettre de Catherine qui me vient de l'Oise.
Oui, vous avez vu, je repars avec les départements, hein. Un joyeux Halloween. Ah. Oh, mais... Oh, c'est très joli. Oh, j'ai pas eu le temps cette année. J'en ai plein, plein des serviettes, vous en aviez. J'ai pas eu le temps de faire. Regardez comme elle est sublimissime, cette tête de mort. Ah, c'est une serviette. J'ai pas eu le temps de faire du serviettage. Il faut vraiment que l'année prochaine, je me fasse du serviettage Halloween. Il est magnifique. Il est superbe. Hein. Et celui-là aussi, bien sûr. Hein. Mais là, ça me donne envie de refaire de l'Halloween. Mais il va falloir que. Voilà, hein. Donc elle me souhaite un bon Halloween, Catherine. Elle me dit qu'elle a tout fait au cutter parce qu'elle n'a pas. Je n'ai pas votre magie. Non, mais d'où ça vient cette magie? C'est très joli, ben dis donc. Et t'as fait. Non, mais me dis pas que t'as fait tout ça au cutter parce que moi j'aurais déjà donné un coup de ciseau dedans. Hein. Regardez, un joli petit fond violet et puis avec du papier. Regardez, pailleté, les petites araignées. Voilà, c'est très très joli. Ben écoute, Catherine, c'est très 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 joli. Vraiment, franchement. Hein, et puis merci pour les petites serviettes. Je les trouve trop trop jolies. Voilà. Hop, allez, j'avance. Ça, c'est Caroline. Caroline. Ouh là là, qu'est-ce que c'est joli ça. Oh là, vraiment, il y a des fois des filles, vous avez de ces découpes magnifiques, regardez-moi. Non mais ça il faut que je le récupère. Il faut absolument que je me fasse. Mais là enfin, on se rend pas compte. Il y a des filles qui me disent en commentaire. Il y avait une fille. J'ai répondu au commentaire là et qui me dit ah mais t'es déjà en train de parler de Noël. Nanana. Mais faut. Enfin voilà. Faut le savoir et vous le savez certainement en fait. Hein. Mais c'est vrai que quand on fait, comme moi, des échanges calendriers de l'Avent, il faut que la fille, elle l'ait reçue avant le 1er décembre, qu'elle puisse ouvrir ses premières cases, hein, bien évidemment. Après, vous pouvez faire deux paquets, hein, bien évidemment. Mais voilà, il faut qu'elle l'ait ouvert, il faut qu'elle l'ait pour le 1er décembre, sachant que moi, j'habite en montagne, que les Mondial Relais, ils sont pas forcément aussi opérationnels qu'avant le Covid, parce que le Covid, ça a quand même... voilà, hein, ça c'est comme la guerre en Ukraine, ça a bon dos pour augmenter tout, pour ralentir tout. Nous, on n'a plus de facteur qui vient plus que 3 fois par semaine. Donc c'est vrai que des fois les filles me disent, t'as pas reçu mon courrier. Ben ouais, moi j'ai du facteur que 3 fois par semaine. Hein. Et c'est pas les mêmes jours. Ouais, c'est pas les mêmes jours parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait, il faut avoir fini les créas de Noël au 15 novembre. Voilà. Donc je suis très à la bourre pour mes calendriers de l'Avent. Voilà. Très, très à la bourre, puisque si on veut y poster au pire le 20 novembre, voilà, il faut déjà là, 1er novembre, y penser. Et oui, voilà. Donc là, c'est une découpe, mais est sublime. Enfin, ta sorcière aussi dessous est trop, trop belle. Mais alors là, franchement, non mais regarde, c'est trop beau. Je vais hop, plier là pour montrer. C'est très joli ce que tu as fait, hein, mais... Ah! Mais qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Ta carte? Voilà. Bon, je suis pas plus... Je suis pas plus douée. Voilà. Mais là, ça, c'est des choses qu'il faut que je récupère pour faire un junk, hein. C'est trop, trop beau. Franchement, c'est magnifique. Happy Halloween! Oh, tu m'en as donné! Je n'avais pas vu! Oh, c'est trop beau! Oh là là, elle est magnifique! En or, oh là là! Toi, j'étais déjà en train de te dire que je suis désolée, j'allais couper ta carte pour le récupérer. Mais je vais le faire quand même. Hein. Mais c'est magnifique, Caroline. Caroline Marie, une petite carte d'Halloween. Et tu te dis que tu vas aimer cette tête de mort. Bah, t'as vu, t'as remarqué, hein, même avant que j'aie lu ta lettre. Merci, Caroline Marie. C'est vraiment superbe, superbe, superbe. Trop, 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 trop joli. Vraiment trop chouette. Hein. Alors, après, nous avons Anne. Alors, hop, qui vient du 93 et qui m'écrit souvent. Voilà, elle fait partie de mes fidèles. Donc, je pense que tu m'écris une carte pour me souhaiter un bon Halloween. Oh, elle est très jolie. Oh, elle est très belle. Elle a mis du. Regardez cette petite carte où sur les araignées, elle a mis. Je ne sais pas si vous voyez, elle a mis de l'argenté.
Elle est trop belle. Elles sont magnifiques, tes araignées. Et le Happy Halloween, là, mais tu l'as fait à la main, mais c'est très chouette. Hein? Ça, franchement, elle, tes araignées, franchement, celle qui adore les araignées, hein, je sais que vous êtes plusieurs, hein, à aimer les araignées. Voilà, merci. Effroyablement délicieux. Hein? Voilà. Trop, trop belles. Vraiment, elles sont magnifiques. Et très jolies. Très jolies, vraiment des styles. Hein. J'ai gardé beaucoup de cartes de l'année dernière, puisque vous êtes quand même nombreuses à m'envoyer plein, plein d'idées. Et ça, c'est super sympa. Alors là, on a une carte toute, une enveloppe toute décorée. Voilà, avec plein de collages serviettes qui me vient de Marcel, qui est du 50. 50, c'est la Manche. Ouf, c'était bien accroché. Alors, une petite carte d'Halloween. Après, il y a un petit pic. Je sais pas. J'espère que c'est pas dangereux. Tassou, qui a une chaîne. Est-ce que tu as mis le nom de ta chaîne? Tassou. 50 ou même pas le département? Je sais que tu aimes. Merci, c'est gentil. Hein. Mini book stamp. Tassou. T'as une chaîne, mais tu... Ben, peut-être que ta chaîne s'appelle Tassou, je ne me rappelle pas. Je sais que Tassou, tes créations, il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, n'hésitez pas. Voilà, très, très jolie carte. Avec, bien évidemment, hop, du brillant. Alors, qu'est-ce que c'est que... Je vois une petite... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, alors, il y a une petite serviette Halloween, bien évidemment, que je vais récupérer. C'est celle que tu as utilisée pour... voilà. Et elle m'a fait une magnifique lollipop. Je trouve ça trop, trop joli, ça. J'adore ça. Voilà. Très, très joli. Vraiment superbe. J'adore, j'adore les lollipops. Vraiment, j'adore. Enfin, voilà. Trop gentil. Ben, écoute, merci, Tassou. C'est vraiment super gentil. Je vais plus avoir de place sur mon petit... Ah, mais il y a encore autre chose dedans. Ah, voilà. Et elle m'a fait un mini, je me disais aussi, tu m'as parlé de d'attestamp, et il était au fond, un mini avec, wow, c'est trop mimi, avec des attestamps qu'elle a reliés ensemble, regardez comment c'est trop chouette. Un mini, regardez, c'est trop mignon les mini comme ça. Il faudrait que j'en fasse pour Noël et tout ça, je trouve ça trop chouette. Très joli. Je suppose que tu as dû faire sur ta chaîne, je vous dirais que je suis très en retard. C'est très chouette avec une petite brelle, avec une petite perle au bout. Trop trop chouette. Bah, vraiment merci, c'est super mignon. Tout ce qui est petit est mignon, vous le savez. Et puis après j'ai reçu une grosse enveloppe de Béatrice qui me vient aussi du 93. Non mais cette méga enveloppe, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi il y a plein de choses. Alors est-ce que Et comment je fais, moi? J'y mets où, là? Plein de choses. Et plein de choses que je ne sais pas pourquoi tu m'y as envoyé. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. Alors, je vous montre sa jolie carte. Qui est faite avec du Magicool. Voilà, regardez. Puisqu'il y a du brillant. Oui, c'est du Magicool. Ou c'est du Beauchot. Je ne sais pas. En tout cas, avec des pigments. Regardez, c'est trop, trop joli. Et puis, à l'intérieur, il y a des ATC. Hop. Alors, une ATC avec un chat. Une ATC avec la petite poupette de chez L'Encre et l'Image. Et une autre avec une sorcière. 10 000 abonnés. Fille au vent, saison d'automne, et puis Dimitia d'abonnés. Ouais, très contente. Et elle m'a écrit un petit mot, une petite carte pour te féliciter pour tes 10 000 et te remercier de tes vidéos et vlogs. Bah, c'est très gentil. J'ai trouvé chez Nos quelques bricoles en espérant que tu les as pas. Offre-les si jamais.
Bah, écoute, c'est très très gentil, merci, hein. Infirmière à la retraite. Ah, bah voilà. Trop trop gentil. Bah écoute, merci vraiment. Super. Mais non, mais. Donc celui-là, eh ben, je ne l'ai pas. Donc elle a trouvé des choses chez Action. Le Art by Marlène. Trop chouette. Elle a trouvé des petits stickers sur la mer. Non mais faut aller pas, hein. De chez Artemio. Trop chouette. Un autre, une planche de tampon relax. Elle est magnifique. Sur la mer avec une magnifique hippocampe. Trop trop chouette. Que d'ailleurs je vais peut-être utiliser parce que j'ai encore une dernière page à faire sur la mer. Des petits autocollants stickers puffy qui vont être parfaits pour Noël, les fêtes de fin d'année. Puis deux planches en plus, hein, histoire de. Alors, encore un magnifique tampon de chez Art by Marlène. Eh bien, je n'ai pas non plus celui-là. Non mais. Oh, t'es folle, hein? Elle m'a mis dedans des magnifiques aussi rubans rouge et or et jaune. Trop chouette. Fête de Noël, c'est parfait. Des embellissements en bois sur le voyage. Regardez, avec avion et tout. Appareil photo et tout ça. Trop chouette, mais vraiment, tu m'as trop gâtée, hein. Vraiment, fallait pas. Hein. Un pochoir avec un Père Noël. Non, mais. En fait, on fait une ouverture de courrier hall. Et puis, un sublime Dyes cheminée. J'ai encore même pas utilisé. J'ai fait un autre que vous allez voir. J'ai fait toute une journée de découpe en plus. Et de celui-là, écoute, je l'avais vu hein, et je suis trop contente. C'est pour ça que j'avais demandé comment le Dyes cheminée. Bah, tu m'en as envoyé un autre que je n'ai pas. Bah écoute, Béatrice, vraiment, franchement, merci, merci mille fois. C'est trop, 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 trop gentil. Franchement. Vraiment, tu m'as super, super gâtée, super pourrie. Vraiment, vous êtes toutes toujours très, très, très bienveillantes. Et je vous en remercie. Vraiment, j'ai été pourrie gâtée de tout ça. Donc, voilà, il va falloir que je réponde à tout ça. Et franchement, je suis trop, trop, c'est superbe. Je suis trop contente quand je vous vois avec. Avec vos petites cartes, avec des pigments, je me dis que je vous influence et je suis trop contente. C'est vraiment super joli. Je vous remercie les filles vraiment et je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bisous, bisous.